Ouais, ah. Ouais. Putain, mais. Tu marques ça, de toute façon. Tu sais très bien que tu vas avoir des fautes, frère. La douairière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci les amis, ça va être très spécial. En ce moment, je suis pas souvent chez moi pour faire des vidéos. Et d'ailleurs, je vais pas être chez moi non plus pour celle-là. On va beaucoup bouger et vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais en vrai, vous savez déjà, parce que vous avez déjà vu la petite séquence qui est en intro de la vidéo. Ça fait un petit moment que sur les réseaux sociaux, vous me faites la réflexion de « Vincent, tu fais des fautes ». D'orthographe. Eh bien déjà, sachez une chose, j'ai jamais été forcément très très bon en orthographe, on va pas se mentir. Mais je suis pas non plus très mauvais. Donc voilà, à bout d'un moment, mon ego il prend cher, voilà, il prend un coup, et c'est relou. Eh bien je me suis dit, je vais m'attaquer à la dictée la plus difficile du monde, mais tenez-vous bien, parce que cette dictée, je vais pas la faire à mon bureau tranquille. Je vais la faire dans une voiture, mais pas n'importe laquelle. Et pas avec n'importe qui, parce que je suis avec un véritable pilote qui s'appelle Aaron, et vous allez le découvrir dans quelques instants, mais c'est pas tout. Je suis avec un ami à moi, un ami de longue date que je connais depuis le collège en vrai. Depuis très longtemps. Il s'appelle, les amis, un triomphe pour Tic Sud. Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur cette chaîne YouTube. Ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est faux, j'étais juste à côté. En vrai, aujourd'hui, Tic c'est là tout simplement pour me faire la dictée. Exactement. Si ça, c'est pas fou. Exactement. Ce featuring ne serait pas complet sans le... Combien sont les mousquetaires? Ils sont trois. Et bien aujourd'hui, ils seront quatre. Parce que les amis avec nous, nous avons le grand, l'unique, le merveilleux, le majestueux, le prestigieux... Un peu trop. Noam, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je voulais en prendre un peu tout ça. C'était si... court et bien, on la garde. Les amis, si cette vidéo est possible aujourd'hui, c'est grâce à Wisby Drive. Et je vous propose d'aller avec Vincent Dupassé, qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est Wisby Drive et comment ça peut vous servir. Transition avec la main. Ok les amis, il est très très tôt au moment où je tourne cette petite séquence de vidéo pour vous parler de Wisby Drive. Pourquoi je le tourne si tôt? Eh ben je sais pas. Comme vous le savez, avec la situation actuelle, c'est très compliqué de passer par les auto-écoles pour réviser son code. Mais pour cela, il y a une solution et c'est Wisby Drive. Car Wisby Drive, c'est un site qui vous permet d'avoir accès à des questions du code de la route, des questions officielles du code de la route. Et par conséquent, de travailler votre code depuis chez vous. Et purée, ça c'est un truc qui m'aurait été utile. Moi, pour ceux qui le savent pas, j'ai mon permis de conduire depuis longtemps, depuis mes 18 ans. Et j'ai travaillé mon code directement en auto-école, mais j'ai fait aussi beaucoup de séries en ligne. Et c'est vrai que c'était très compliqué de trouver des vraies questions du code de la route. Wisby Drive, c'est des questions officielles, c'est des questions qui retombent à l'examen. Donc vraiment, pour réviser, c'est la meilleure chose à faire, tout simplement. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous pouvez tout simplement travailler vos séries en ligne depuis chez vous. Et puis ensuite, passer votre code en candidat libre. Et l'avoir du premier coup pour moins de 20€. Pour avoir accès à Wisby Drive, franchement, c'est super simple. Vous devez vous inscrire sur le site et ensuite, il y a deux offres. Il y en a une à 9,90€ avec 15 jours. Et vous avez une offre illimitée d'un an que je vous recommande. Et en ce moment, avec mon code Vincent, tout simplement mon prénom, vous avez 20% de réduction, soit seulement 19,90€ en un seul paiement. Ce qui, tout simplement, vaut le coup. Parce que franchement, pour 19,90€ pour réviser son code, c'est quand même quelque chose. Le code, je vous le remets là, c'est Vincent, c'est tout simple. En tout cas, merci Wisby Drive de rendre cette vidéo possible parce que franchement, ça va être une très bonne vidéo. Tout de suite on y retourne, c'est parti. J'espère que vous avez kiffé ce sponsor les amis. Moi il me plaît beaucoup et j'aurais trop kiffé d'ailleurs le connaître avant. Mais je l'ai eu du premier coup. T'as eu ton code du premier coup? Exactement. Tu sais combien j'ai eu? Non. Je me souviens absolument pas. T'as eu combien au permis? 28. 27,5. Oh. Je suis un petit peu plus une merde que toi. Un peu moins pilote que moi, tu vois. Moi je suis. Après c'est un vrai pilote les amis. Si vous avez jamais vu sa chaîne, foncez voir un petit peu ses vidéos. Ouais. C'est complètement incroyable. Foncez, le lien dans la description. Et Noam qui. Noam s'il vous plaît. Instagram. Abonnez-vous à Noam. Franchement c'est clair. Tout de suite je vous propose, sans perdre de temps, de passer à la dictée. Les amis, évidemment, petit disclaimer, on est obligé. Aaron est quelqu'un qui connaît vraiment bien son véhicule et je vais pas dire qu'il a l'habitude, mais c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment. À savoir qu'on a respecté toutes les limitations de vitesse. On n'est pas à l'abri d'un problème, on n'est pas à l'abri d'un accident, il faut vraiment faire très attention sur la route, c'est vraiment pas des conneries. Exactement. On va prendre des routes quand même qui sont pas trop fréquentées pour éviter de mettre en danger d'autres personnes. La vie d'autres. Exactement, tout simplement. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la vidéo dans la joie et la bonne humeur. C'est parti. C'est bon? Ça rec? Ouais. Ok, bon mais c'est parti, qu'est-ce que tu fais? C'est parti pour la dictée les amis, on y va, on est chaud. C'est parti pour la dictée, go, c'est parti. Oh frère, parlez sans ambiguïté. Parlez! Merde! Ça fait pas trop long, frère! C'est impossible, gros! C'est incroyable! C'est incroyable, gros! Parlez! Sans, j'arrive pas à écrire! Sans ambiguïté! Gros!
T'en es où là? Parlez sans ambiguïté, c'est bon. Virgule. Près du Havre. Près du Havre. La région. Le Havre. Oui. Oh, non. Près du Havre. J'arrive à faire la phrase ou non? J'arrive pas. Wesh. Malgré les effluves. Malgré les effluves embaumés de la mer. Malgré les effluves. Oh la dignité. Embaumés. Embaumés. Aïe. Embaumés de la mer. Aïe. Je ne sais pas comment la voiture fait pour s'arrêter. C'est incroyable. Malgré les vins et les très bons crus. Il y a un point après mer ou pas? Non. C'est impossible. Allez, concentre-toi. De la mer, virgule, ensuite. Mec. Concentre-toi, Vincent. Vas-y, de la mer, virgule, ensuite. Virgule, malgré les vins, de très bons crus. Qu'est-ce qu'il y a de cru? T'écris pas droit comme ça. C'est... Je sais pas, c'est question. Ça n'a aucun sens. Le stylo, il fait ça. Regarde. Ça n'a aucun sens. Les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par cuisseaux... Excuse-moi, je vais pas trop vite. De chevreuil. Plus rien, hein, il y en a plusieurs de chevreuil. J'arrive même pas à lire, frère. J'arrive pas à écrire. Prodigué par l'amphitryon. Parce que le stylo, il est en train d'aller plus vite que la voiture aussi. C'est quoi un amphitryon? Je vais une photo d'amphitryon maintenant. Guépier, fut un vrai quoi? Un vrai guépier. Guépier, mais ça veut rien dire, guépier. Frère, à la ligne. Quel que soit, et quelques exigus. À la fin, ça veut rien dire. Non, mais hein. Là. Bon, déjà, faudra lire, hein, ce que tu as dit. Tu l'as dit. Quel que soit, virgule. Je ne veux pas mourir, s'il te plaît. Vraiment. Ok. What the fuck? Ah ouais, non, mais c'est. Oh non! Je vais mettre en face de la caméra, je vais essayer de... Quel que soit et quelques exigus... Alors, quel que soit, virgule... Oh, j'ai réellement envie de vomir, là. Oh, putain! Quel que soit et quelques exigus... Je ne sais même pas comment se prononce ce mot. Les... Zars. Zars. Zars, ouais. Les Zars. Comment tu l'écris? Mais je veux pas te dire. J'ai tenté. Qui était censé les avoir Zars. Donné... La douairière. Okay. En un mot. Putain, mais... La douairière. Douairière, j'imagine comme ça se prononce. Ouais. Putain, mais... Tu marques ça, tu marques ça. Tu sais très bien que tu vas avoir des fautes, frère. La douairière. Le marguillier. Le narguilé? Non, pas le narguilé. Le Allez-y, madame. Marguilé avec un N. Respectez le code de la route. Le narguilé? Bien sûr. Le narguilé, on s'en fout. Il était infâme. Infâme. Comme sa conduite. Voilà, exactement. D'en vouloir, oui. Maxi. Elle finit cette dictée ou quoi là? Elle est finie. D'en vouloir, point final? Ouais, point final. Point final. Vraiment, sincèrement, on va s'arrêter. Mais no joke, vraiment no joke, mec. Je vais vomir. Ah, tu vas vomir? Ouais. Tu penses que t'as fait des fautes? Non, moi je pense pas que j'ai fait des fautes. Eh, venez, on fait un pronostic sur la note. Vas-y. Moi je pense un 12. Alors très honnêtement, il y avait marqué sur le papier la dictée la plus dure du monde. Moi je parie sur un 5 sur 20. Aaron, tu paries combien? Un petit 10 quand même. Les amis, nous possédons actuellement la dictée. C'est dégueulasse. Bon, on va dire que t'as pas écriture de... Une rêve par rapport à un mec qui écrit bien. Voltaire. Voltaire. Alors, okay, t'as eu 5 sur 20 au bac de français? À l'oral, j'ai eu une très bonne note. Alors, à l'écrit, j'ai une note de merde. Moi, j'ai eu 9 à l'écrit. Ouais. J'ai eu 12 à l'oral. Pas ouf. Ah, j'ai eu 8 à l'oral et 5 à l'écrit. Je crois que j'ai eu 12 à l'écrit et 18 à l'oral. Tu sais pourquoi? C'est bon. Je connaissais absolument pas le texte, mais j'ai fait le mec hyper intéressé. Moi, je connaissais pas le texte et j'avais aucune conviction. 3, c'est tout. Cette main, on a qu'à dire que si j'ai plus de 10, tu fais un gage. Et si j'ai moins de 10, je fais un gage. Vu que je suis un youtubeur. Désolé, je déteste ce personnage. Ah ouais. Je déteste. Vu que je suis un youtubeur de la moto. Si tu perds, je te fais monter derrière la moto et je te fais essayer la moto derrière moi à fond les ballons. Évidemment, c'est une idée horrible pour moi. Oui. T'as déjà sauté en parachute? Ah, ta gueule. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Non, mec. T'as déjà fait, toi? Non. T'as peur de ça ou pas? Ou tu t'en bats les couilles? Je sais pas. La dernière fois, je... Eh ben, mec, si j'ai plus de 10, on saute en parachute. Oh, shit. Sur ma chaîne. Oh, mon Dieu, c'est génial comme gage. Il est horriblement bien. Tu as oublié un mot. Dès que t'as commencé, t'as oublié un mot. Un mot, c'est moins un. Ce dîner à sainte adresse. Est-ce que tu l'as noté? Près du Havre. Tu as oublié une phrase entière. Mais j'ai quand même rajouté des... Ouais, mais ça, c'est après, en fait. Embaumé et S. Alors là, mec. Cuisseau, c'est C-U-I-2-S.
S-O-T-S. Ah voilà, ouais, c'est moins mec, un. C'est moins un le mot. L'amphitryon. Oh, mais tu sais que t'étais presque, hein. Là, t'as juste oublié un Y. Ah non, et c'est un A et aussi. Y a un A, ouais. Et il y a un L apostrophe. Ah ouais, ouais, ok. Bon, bon moins un. Vas-y, je suis chaud. Par contre, là, on a combien? On a 1, 6, 7. Ça va aller très vite. Et on a fait la moitié. On a fait plus. Regarde, on en est là, frère. Hein. Ouais, il reste ouais, que ouais. Ça. Là, si je prends moins 3. Mec, oh, j'ai tellement pas envie de sauter en parachute. Zigzigu, il y a un S à la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Excuse-moi, tu t'appelles Marco, ouais. Et tu travailles à la buvette de... Excuse-moi, est-ce que tu t'appellerais pas... Oh, Marco Punto. Je cherchais. Marco Punto. Marco Punto. Prenez votre deuxième prénom et vous rajoutez le nom de votre première voiture. Et vous le mettez en commentaire. Oh oui, mettez-le en commentaire. Oh là là, c'est dingue ça. Les Ares, à partir de là, j'aimerais bien voir... Là, je pense que c'est le moment où il a drifté. Et là, je... Un extrait tout de suite de la vidéo du mot Ares. Les Ares. Donc on est à 6 sur 20. Ça fait 6 sur 20. Sur une dictée très courte. C'est un très beau score, je te félicite pour ce score. Sache que tu vas monter sur ma moto, qui est un 56 mètres cubes de 32 chevaux. Tu n'as aucune référence, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est une MRT très léger. En 96 bidalo. Eh oui, tu vas te régaler. Je prends énormément de plaisir à te prendre derrière ma moto. Attention, attention à ne pas sortir la phrase de son contexte. Voilà. En tout cas, je kiffe grave faire des vidéos comme ça, des vidéos spontanées, des vidéos où on rigole, qui n'ont aucun sens. Ouais, avec des amis, on mélange plusieurs mondes et c'est ça aussi qui est drôle. Tu vois, ça fait un petit moment que j'ai la chaîne YouTube et j'ai jamais rencontré d'autres YouTubeurs, alors même ça fait plus longtemps qu'on se connaît. Et juste, ça me fait trop plaisir de voir qu'on peut échanger les mondes, entre guillemets, tu vois, le monde de la moto avec ton monde à toi. Y a même pas de limite de like, juste likez et on verra. Ou likez pas, parce qu'on peut pas donner des ordres aux gens. Mais c'est quand même sympa. Bah vas-y, mets des ordres. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner en activant la cloche, parce que nous, on est comme ça. On est des clochers. On est des clochers. On remet un petit récap de nos Instagram. C'était Vincent, Tix, la main folle, et évidemment Harold, qu'on remercie évidemment, sans qui et cette vidéo n'aurait pas été possible. Et évidemment, merci Wisby Drive d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça merci Wisby. C'est ciao.